29 mai, la dictée préparée numéro 29. La chèvre. La chèvre était attachée à son poteau depuis 2 jours déjà, et les envies de liberté n'étaient pas loin. Elle faisait de petits sauts pour essayer de se détacher en vain. Le sort semblait en être ainsi. Elle resterait toujours isolée au pied de son poteau. Quand tout d'un coup, un tourbillon arriva et emmena le piquet, rompant la corde sur son chemin. La petite chèvre était libre, mais totalement désorientée. Elle décida de grimper dans la montagne pour trouver un abri dans un roncier. La chèvre. La chèvre était attachée à son poteau. La chèvre était attachée. Attention aux accords, hein, c'est la chèvre qui était attachée. La chèvre était attachée à son poteau depuis 2 jours. Donc il y a plusieurs jours. La chèvre était attachée à son poteau depuis 2 jours. La chèvre était attachée à son poteau depuis 2 jours déjà. À son poteau depuis 2 jours déjà. À son poteau depuis 2 jours déjà. Et les envies de liberté n'étaient pas loin. 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 Point. La chèvre était attachée à son poteau depuis 2 jours déjà, et les envies de liberté n'étaient pas loin. Point. Attention à été, c'est les envies qui n'étaient pas loin. Point. Elle faisait de petits sauts. Elle faisait de petits sauts. Donc il y a plusieurs petits sauts. Elle faisait de petits sauts pour essayer, pour vendre, on peut dire, pour essayer de se détacher, pour vendre, on peut dire, en vain. Elle faisait de petits sauts pour essayer de se détacher en vain. Pour essayer de se détacher en vain. Point. Elle faisait de petits sauts pour essayer de se détacher en vain. Point. Le sort semblait en être ainsi. Le sort semblait en être ainsi. Donc cette dictée, elle est au passé. Donc faites attention, il y a passé composé, passé simple, imparfait, etc. Le sort semblait en être ainsi, virgule. Elle resterait toujours isolée. Elle resterait toujours isolée. Attention à isolée, c'est elle qui resterait toujours isolée. Elle resterait toujours isolée au pied de son poteau. Elle resterait toujours isolée au pied de son poteau. Donc la phrase, je la relis. Le sort semblait en être ainsi, virgule. Elle resterait toujours isolée au pied de son poteau, point. Quand tout à coup, virgule. Quand tout à coup, virgule, quand tout à coup, virgule, un tourbillon arriva et emmena le piquet, et emmena le piquet, et emmena le piquet, rompant la corde sur son chemin, rompant la corde sur son chemin, rompant la corde sur son chemin. Quand tout à coup, virgule, un tourbillon arriva et emmena le piquet, rompant la corde sur son chemin. Point. La petite chèvre était libre. La petite chèvre était libre. La petite chèvre était libre. Mais, virgule, totalement désorientée. Mais, virgule, totalement désorientée. Attention à qui est désorientée, c'est la petite chèvre. La petite chèvre était libre. Mais, virgule, totalement désorientée. Point. Elle décida de grimper dans la montagne. Elle décida de grimper dans la montagne. Elle décida de grimper, de vendre. Elle décida de grimper dans la montagne pour trouver un abri dans un roncier. Pour trouver, trouver, faut dire vendre. Pour trouver un abri dans un roncier. Elle décida de grimper dans la montagne pour trouver un abri dans un roncier. Point. Je relis la dictée, vous faites attention. La chèvre. La chèvre était attachée à son poteau depuis 2 jours déjà. Et les envies de liberté n'étaient pas loin. Point. Elle faisait de petits sauts pour essayer de se détacher en vain. Point. Le sort semblait en être ainsi, virgule. Elle resterait toujours isolée au pied de son poteau. Point. Quand tout à coup, virgule, un tourbillon arriva et emmena le piquet, rompant la corde sur son chemin. Point. La petite chèvre était libre, mais, virgule, totalement désorientée. Point. Elle décida de grimper dans la montagne pour trouver un abri dans un roncier. Point final. Merci. Vous me l'envoyez, bien sûr, c'est une dictée, hein. La dictée, on me l'envoie à chaque fois. Merci.